Salut tout le monde, c'est Ursula. Eh bien, on se retrouve donc pour monter la défense un petit peu du tournoi de la semaine. C'est un tournoi de 3 étoiles, booster de bonus, toutes les couleurs sont autorisées. Donc on va aller voir un peu ce qu'on peut faire. Ils nous mettent un peu de la merde comme d'habitude, hein. Hop, on vire tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre déjà comme tank? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Gunnar. Gunnar parce que bah booster de bonus quoi donc je veux dire soif plus 63% de défense donc déjà on a un bonus c'est plutôt pas mal il est assez résistant il manque un peu de PV c'est dommage qu'est-ce que j'ai comme autre choix il y a Beauchamp qui peut être un très bon tank puis réduit la mana de tous les ennemis tous les alliés reçoivent plus 24% de génération de mana c'est plutôt sympa aussi. Il y a un bonus. Buis source, le lanceur reçoit provoqué. Je sais pas si c'est considéré comme un bonus pour lui, je pense. Le lanceur reçoit plus 63% de défense. Le lanceur reçoit plus 74% de défense contre les compétences spéciales. C'est cool, mais ça marche que pour lui. Donc peut-être pas buis source du coup. Beowulf. Là, c'est distribution de bonus à gogo. Je suis bien tenté pas d'essayer Beowulf, mais en même temps j'ai envie de mettre Grevel en flank. Du coup, ça serait assez difficile de mettre de verre à côté quoi. Donc on va rester sur Gunnar, on va mettre à côté Grevel, soigneur qui en plus va ajouter un boost d'attaque. Où est-ce qu'elle est? Il est. Grevel, voilà. À côté, je vais mettre un Beauchamp. Ça, on a la petite triptyque bleu, vert et rouge. Voilà. Ensuite, sur les côtés, bah là, par contre, sur les côtés, il va falloir taper un petit peu parce que tout ça, ça fait pas énormément de dégâts. Donc, direct, Poppy, qui est absolument excellente. Ouais, on va mettre Poppy qui va taper sur une personne 300% et qui a des chances de taper encore d'autres personnes derrière. Et sur la droite, le premier auquel je pense, c'est Bjorn. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Il gaz plus en terre contre le jaune. Maintenant, c'est clair que je ne serai pas spécialement attaqué en jaune. Je pourrais mettre un Balthazar. Ça met un debuff, ça peut être quand même assez sympa un chouchin. Mais ça serait plutôt en tank. Après, c'est les 2 étoiles. Ouais, je pense que je vais mettre un petit Bjorn. Je vais mettre un petit Bjorn. Ouais, on va faire ça. Il y a du bonus un petit peu partout là. Donc c'est assez cool. Allez hop, on va partir là-dessus. Puis on verra ce que ça donne. Mais Master, je reçois des messages normaux. Donc voilà, allez là-dessus, on va aller faire quelques raids. Après tout, j'ai pas encore fait de raid aujourd'hui. Donc on va partir là-dessus. Ça c'est ma petite défense du moment. Ça tient moyennement. J'ai hâte de terminer Morel. Qui va faire du bien à cette défense. Je pense que d'entrée de jeu, ça sera déjà mieux. Au niveau de mes évolutions de héros. Voilà, là je vais bientôt pouvoir faire un petit peu tout ça. Je viens de passer Zenobia du coup, donc j'étais avec Xenophod, je viens de passer Zenobia donc au quatrième échelon tout à l'heure et je l'ai déjà bien avancé. Morel, bah j'attends le. Il me faut encore des télescopes. Francine, c'est pareil, d'ici la fin du mois, j'aurai le dernier onguent qui me manque pour pouvoir la monter. J'aurai fini Zenobia, je pense, d'ici là. Donc j'enchaînerai avec Francine. Morel, j'ai 3 télescopes, si je me trompe pas. C'est ça, j'ai 3 télescopes. J'attends le télescope du POV.
plus un autre qui va pas tarder à arriver avec la caisse. Ce sera soit d'ici la fin du mois, soit début novembre. Et puis bon, on va croiser les doigts pour essayer de gagner un autre télescope quelque part. On a eu un Titan là qui donnait un télescope, malheureusement je ne l'ai pas eu. J'aurais bien voulu. Et puis bah si j'ai pas ce télescope en plus, je m'attaquerai à Korog où là j'ai de quoi le monter quoi. Donc voilà, allez, on est parti sur quelques raids. Ok, c'est fort. Il y a 4 qui sont limite breakés. Ça va faire mal. Là, il faudrait que je parte soit en violet, soit en vert. Bien, il décide de partir en violet. J'utilise pas super souvent. Je crois que c'était plutôt un choix pas mauvais. C'était un assez bon choix. Stop. C'était un assez bon choix. Stop, 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 stop. Alors, va falloir que je me débarrasse direct de ce côté-là. Et entre autres de Odin parce qu'il va me faire très mal. J'espère que ça suffira. Ça suffit, parfait. Ok. Ensuite, si je fais remonter ça. Aïe. Ensuite, je vais faire ça. Aïe. Hop. Déjà, je vais envoyer Alfric, voir ce qui reste. Ok. Bah, je vais attendre du coup avant d'envoyer elle. On va lui faire mal. On va charger Frigg, histoire qu'elle se tape. Et on va la terminer avec elle, je pense. Et sinon, je pense que le match en dessous. Ouais, ok, c'est bon. Bon, ça va. Le puzzle était franchement plutôt avec moi. Allez, suivant. Alors, soit du jaune, soit du bleu. On va plutôt partir en jaune, histoire d'éviter d'être faible contre la miss là. Contre la dame du lac. Allez, on va partir avec ça. Le choix m'a l'air plutôt pas mauvais aussi. Hop. Bon, maintenant, il va falloir faire remonter encore. Où est-ce que je peux faire remonter? Où est-ce que je pourrais faire remonter ça? Petit jaune. Ouais, pas là où je voulais. Il va pas franchement là où je voulais. Voilà, ça c'est mieux. Et par contre, je suis à 2 doigts de charger la dame du lac. Top, 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 top. Oh là là, le combo qu'il fallait pas. Le combo qu'il fallait pas. Et voilà. Toi, j'ai peut-être besoin que tu me rates un peu là. Ça, c'est bien. Ça me débarrasse de quelques sbires. Pas qu'il y en ait trop non plus. Ok. Hop, on va se débarrasser de ce sbire là qui fait chier. On va envoyer le diamant. Me débarrasser d'Elisabeth. Comme ça, je peux ghoster un peu plus facilement.
On va faire remonter un petit peu de jaune avant de balancer au dain. Combien ça a donné là? Ouais, ça a donné au maximum 24%. Ok. Bon. Les deux premières qui se passent bien. Suivant. Ah, donc pareil, jaune ouvert, on va rester en jaune, hein. Comme ça, j'utilise les jaunes. Ça évite de se faire avoir par un Odin. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire remonter cette jaune-là là, pour aller taper sur Onyx? Parfait. J'ai envie de me débarrasser d'elle en premier. La tuile suffira. J'ai pas mal de tuiles, donc on va balancer au dain. On envoie ça là. Hop. Et ensuite les tuiles, comme ça il n'y aura plus de jaune, même si ça tue pas Odin, il devrait plus avoir de quoi trop se booster. Oh, bien entendu, ça monte. Hop, il n'y a pas l'immunité là. Hop, j'aurais peut-être pas dû lancer d'abord Odin, j'aurais dû mettre d'abord. Chacal, mais bon, c'est pas grave. On est bien. Ok. Ça change des derniers jours où c'était franchement pas terrible. Ah, on va partir en bleu là-dessus. Et c'est parti. J'ai tellement hâte de terminer Morel. Le puzzle même aujourd'hui. C'est cool. C'est très très cool. Ok, alors on envoie ça. On va envoyer ça. Toi ici. Et on se débarrasse du healer. Voilà. On va voir si c'était une idée de merde ou pas. J'hésitais entre Lyanna et Vivica. Parce que là, ils vont frapper. Si je fais le diamant, je vais séparer mes bleus. Peut-être une possibilité d'en avoir une au milieu. Voilà, parfait. Wow. Pas la même, pas la même, pas la même. Ok. Hop, on va bourriner un peu. Voilà, rapprocher des tuiles en plus, c'est très bien. Ok. Il y a des jours avec et des jours sans. Bah là, visiblement, c'est un jour avec. Il en reste deux. Donc théoriquement, les deux vont super mal se passer. On repart encore en bleu. Wouah, 1001 d'attaque. C'est juste énorme.
d'entrée de jeu, c'est quand même moins bien. C'est parfait. C'est parfait. Enfin, en même temps, ça suit. Oh, quoique. Voilà, parfait. Envoyer ça là. Parce qu'on peut renvoyer un match. Falloir que ça remonte. Peux avoir un petit bleu là, ouais. Parfait. Et là, lui, il va me faire mal. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait campus. Ça va faire mal. Ça fait super mal. Ouais, là je crois que c'est perdu. J'ai pas assez de tuiles là. Donc il y a peu de chance une ici. Yes. Ouais, c'est quand même. Oh. Les sbires quoi. Ouais, c'est mort. À partir du moment où il me reste plus que ces deux-là. Trop bas, même pas. Ouais. Vas-y, tue-moi. On va recommencer. Je suis rentré ça là, vient à ce niveau-là. C'était un très mauvais calcul. Ah, j'avais dit que les deux dernières, elles allaient pas se passer pareil. C'était sûr. C'était complètement sûr. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, c'était débile. Déjà un puzzle pas top, c'est super chiant, mais quand en plus il est mal géré, ça laisse quand même assez peu de chance. Oh là là là, c'est la fête du sbire. C'est mort. Campus de toute façon est activé. C'était avant qu'il me fallait du bleu. C'était avant. Oh la vache, les sbires font super mal quoi. Les sbires font super mal, j'ai impossibilité d'activer qui que ce soit d'autre qu'Ariel, allez c'est bon. Ouais, bah voilà. Voilà. C'était la dernière, je crois. Ouais.
Ok, bon, bah, je vais rester là. Hein. C'est bon, on a assez de données. Et puis, dernière vidéo avant une bonne semaine, je pense. Je me suis pris quand même une petite semaine de vacances de temps en temps, ça fait du bien. Donc, je pense pas faire de vidéo pendant la semaine. Peut-être vite fait une ou deux. Mais voilà, je pense pas que je pourrais vous faire suivre tout le tournoi. On verra dimanche ce que ça a donné. Peut-être si j'ai le temps. Voilà, une ou deux attaques pendant, enfin quelques un ou deux jours de tournoi pendant la semaine, mais je crois qu'il n'y aura pas grand-chose quoi. Voilà, bon allez, je vous dis à plus.